pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour. Alors, l'effet du jour. L'effet du jour, ben, il y en a deux quand même. C'est le voyage de Zelensky aux États-Unis, qui s'est soldé, à mon avis, par un échec. Et puis, l'élimination, le meurtre de M. Nasrallah au Liban. M. Nasrallah étant le chef du Hezbollah, je pense vraiment que ça va tourner mal. Merci aux quelques abonnés qui ont déjà rejoint Patreon, où je mets en ligne des vidéos sans aucun écran noir, où je mets en ligne des vidéos de ce qui se passe vraiment autour de nous. Que ce soit en France, que ce soit dans le monde, en Ukraine bien sûr, et au Moyen-Orient, au Liban et à Gaza. Et puis sur Patreon également, des articles venant de la presse francophone, mais pas seulement, des articles venant de la presse anglophone, en particulier des États-Unis. Et puis, j'ai bon espoir de bientôt avoir des articles russes et ukrainiens. Ça pourra contrebalancer l'effrayante, je dis bien l'effrayante propagande qu'il y a autour de nous. Ok, ben voilà, la revue de presse, à bientôt. Rappel de la guerre lors de la rencontre du président ukrainien Volodymyr Zelensky avec le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche jeudi. Permettez-moi d'être clair, la Russie ne gagnera pas la guerre, la Russie ne l'emportera pas, l'Ukraine l'emportera et nous continuerons à soutenir à chaque étape du processus. Dans le cadre de son plan de victoire, Zelensky pousse Biden à permettre à l'Ukraine d'utiliser des armes américaines pour frapper des cibles plus profondément à l'intérieur de la Russie. J'ai évoqué avec le président Biden le plan de victoire. Aujourd'hui, nous nous préparons à discuter des détails pour renforcer le plan, coordonner nos positions, nos points de vue et notre approche. La Maison-Blanche dit qu'aucune annonce n'est imminente. La visite de M. Zelensky a été gâchée par les républicains qui étaient furieux de sa visite dimanche d'une usine de munitions en Pennsylvanie, un état où se joue l'élection présidentielle de novembre. Les républicains ont affirmé que cette visite était un événement de campagne destiné à aider les démocrates. Ils ont également demandé le renvoi de l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis, Oksana Markarova. Nous sommes au milieu d'une élection nationale très disputée et nous n'avons pas besoin que des pays étrangers interviennent et fassent entendre leur opinion dans un moment comme celui-ci. Zelensky a tenu une réunion séparée avec la vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence. Elle a souligné que c'est à l'Ukraine de décider de la fin de la guerre et a critiqué le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, dont la proposition de mettre fin à la guerre signifierait que l'Ukraine aurait moins de territoire et ne rejoindrait pas l'OTAN. Ces propositions sont les mêmes que celles de Poutine et soyons clairs, ce ne sont pas des propositions de paix. Le président ukrainien a rencontré ce vendredi Donald Trump à New York. Volodymyr Zelensky lui a présenté son plan pour la victoire. Un tête-à-tête organisé au lendemain d'une rencontre avec la candidate démocrate Kamala Harris, qui a promis son soutien aux dirigeants ukrainiens. We have common view that the war in Ukraine has to be stopped and Putin can't win and Ukrainians have to prevail. We have a very good relationship and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. Depuis des mois, Donald Trump se vante de pouvoir solder le conflit en Ukraine en 24 heures. Vendredi, il a appelé à un accord juste pour tout le monde. Le président ukrainien affirme de son côté avoir exposé les conséquences de la guerre pour son peuple. Pendant ce temps, au moins 3 personnes sont mortes en Ukraine après qu'une nouvelle frappe russe a touché un quartier de la commune de Kryvyi. Le raid a endommagé des dizaines de maisons et 80 voitures ont été détruites. Plus au nord, les pompiers ont travaillé toute la nuit pour éteindre de nombreux incendies déclenchés par des frappes russes sur la ville d'Ismaïl, dans la région d'Odessa. 3 personnes sont mortes dans l'attaque et des dizaines ont été blessées.
C'est une obsession et c'est incroyablement dangereux. Et cela va mal finir, quoi qu'il arrive. Mais permettez-moi d'abord de dire à propos de votre commentaire que cela concerne la Grande-Bretagne lançant des frappes de missiles contre la Russie. Bien sûr, le gouvernement britannique dira qu'il ne s'agit pas du tout de nous, mais de l'Ukraine utilisant le missile pour mener des frappes de missiles à longue portée contre la Russie. Cependant, il y a eu un article absolument étonnant dans le London Times, un article très très révélateur. Et il contient en fait une phrase qui dit que la Grande-Bretagne ne peut pas lancer de missiles contre la Russie par elle-même. Elle a besoin de l'aide américaine pour le faire. C'est-à-dire, en effet, ils ne disent pas que l'Ukraine ne peut pas le faire. Vous savez, elle a besoin de l'aide américaine ainsi que britannique. Ils disent que la Grande-Bretagne ne peut pas le faire. Maintenant, d'accord, vous pourriez dire que c'était un lapsus ou quelque chose comme ça. Mais, vous savez, parfois des lapsus produisent, qui sont très suggestifs. Cet article était clairement basé sur des briefings de très haut niveau, y compris de personnes au sein du ministère britannique de la Défense. En attendant, nous voyons que les Européens sont très très réservés sur cette idée. Olaf Scholz l'a exclu. Il a fait une déclaration absolument claire. Il dit que cela ne va pas se produire. Il ne va pas fournir de missiles Taurus à l'Ukraine. Il ne va pas autoriser des frappes de missiles à longue portée contre la Russie. Meloni dit exactement la même chose. Maintenant, il y a quelques semaines en France, Macron aurait également pu soutenir cette idée. Et gardez à l'esprit que le Storm Shadow est essentiellement un missile français. Apparemment, c'est un dérivé d'un missile que les Français ont développé dans les années 1980. Ce sont eux qui le produisent. Il y a eu une contribution britannique, mais ce sont les Français qui le fournissent, et les Français doivent donner la permission pour qu'il soit utilisé de cette manière. Et il est absolument clair, après les récentes élections parlementaires en France, que le public français s'y oppose et que la plupart de la classe politique française, maintenant à gauche comme à droite, s'y oppose également. Je soupçonne que Michel Barnier, désigné par Macron comme Premier ministre, compte tenu de son parcours, voudra probablement s'y opposer également. Deux mois après le début de la guerre en Ukraine, à Antalya, près d'Istanbul. Les Russes et les Ukrainiens ont négocié la paix en Ukraine, deux mois après. Et comme vous savez, quelles étaient les conditions? C'est là où il faut le dire, c'est incroyable. Les Russes, elles s'étaient mis d'accord avec les Ukrainiens, vous donnez une autonomie réelle, avec autorisation de parler la langue russe, autonomie réelle aux provinces du Donbass et interdiction pour l'OTAN d'être sur place. Par contre, si vous voulez rentrer dans l'Europe et tout ça, c'est votre problème, mais interdiction que l'OTAN soit en Ukraine. C'était ça l'accord. Et on sait, parce que alors là, le Daily Mirror, le Washington Post, et maintenant le chef d'état-major de l'armée allemande, il y a une semaine, a sorti ça, a raconté toute l'histoire dans un article, donc il n'y a plus de doute maintenant sur... Parce que Dieu sait si à l'époque, quand on disait ça, on se fait traiter de complotiste, de pro-russe, enfin bref, les trucs classiques, quoi. Hein. Quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de la rage, c'est bien connu. Qu'est-ce qui s'est passé? Johnson est venu, Boris Johnson en personne, himself, comme diraient les Américains, hein, il est venu en personne voir Zelensky pour dire « Vous signez pas parce qu'on va gagner la guerre ». Deux ans après, regardez le résultat. Les morts, les blessés, le pays dramatique. Et personne n'a été gagnant. Nous, l'Europe ruinée, avec les sanctions, on s'est complètement ruiné. La Russie qui a basculé sur la Chine et qui s'en sort parce qu'elle a basculé sur la Chine. Les seuls contents, c'est les Américains. L'Allemagne morte. En vrac. En vrac. Mmh. Les Américains qui disent, d'où maintenant, ça y est, on vend le pétrole, on vend l'armement. Le deep state américain, il est heureux, lui, hein. C'est une des plus belles opérations qui a été faite des 50 dernières années. Hein. Il a pris sous contrôle l'Europe, il vend l'armement à tous les pays européens dans le cadre de l'OTAN, et le pétrole, une bonne partie du pétrole et du gaz vient maintenant de chez eux.
et vous savez certainement, ils vendent le pétrole, nous vendent le pétrole et le gaz, plus cher qu'ils le vendent à leur propre société usine aux États-Unis. Donc on est vraiment, on a tout perdu. Donc les Français ne sont pas non plus enthousiastes à cette idée. Mais Starmer est obsédé et veut le faire. Maintenant, en fin de compte, les personnes qui comptent sont les Américains. Si les Américains changent leur position, alors cela se fera. Mais si les Américains continuent de dire non, alors cela ne se fera pas, et cela ne peut pas se faire. Et c'est la dernière révélation incroyable que The Times a donnée, qui parlait du Storm Shadow. Il a dit que parce que les Russes brouillent tous les signaux GPS, la seule façon pour le Storm Shadow de pénétrer les défenses russes est d'utiliser la technologie de cartographie au sol, qui dépend des satellites américains. Mais ils ne disent pas vraiment que les données doivent être téléchargées par des techniciens américains. Mais il est dit que c'est un système propriétaire américain. Et bien sûr, cela nous ramène directement à ce que Vladimir Poutine a dit il y a quelques jours dans l'avertissement qu'il a donné. Il a dit que l'Ukraine ne peut pas lancer ses Storm Shadow toute seule. Elle a besoin de personnel de l'OTAN pour formater les missiles afin que cela se produise. Maintenant, cet avertissement, ces mots de Poutine, n'ont pas été largement diffusés en Occident. En fait, en Grande-Bretagne, ils n'ont pas été diffusés du tout. Mais nous voyons que The Times, en effet, confirme leur véracité, que les Américains doivent être impliqués. Ils doivent fournir les données satellites et probablement aussi le formatage. Le plan de victoire de Zelensky est effectivement d'entraîner les États-Unis dans le conflit. Il n'y a pas d'OTAN. Les États-Unis sont l'OTAN. Et donc le but principal est simplement d'amener les États-Unis dans le conflit en Ukraine. Qui sait même? Peut-être même avec des troupes au sol. Dieu sait ce qu'ils pensent. Mais ils doivent faire entrer les États-Unis dans la guerre. C'est leur seule possibilité. Cela ne garantit même pas une victoire. C'est leur seule chance possible. Mais le conflit, en fait, est perdu. Les Pays-Bas disent qu'ils n'ont pas de missiles Patriot à donner à l'Ukraine. Même s'ils parlaient de fournir des systèmes de défense aérienne Patriot à l'Ukraine. Il n'y a pas de système de défense aérienne Patriot à donner à l'Ukraine. L'argent s'épuise. Il y a diverses publications américaines qui disent que même si Harris devait gagner en novembre 2024, il n'y a tout simplement plus d'argent à donner à l'Ukraine. Donc, je veux dire, c'est ce qui se passe. Mais vous avez toujours ces ministres de la Défense. C'est Boris Johnson qui se rend à Kiev, Blinken. Ils essaient toujours d'entraîner les États-Unis dans une sorte de confrontation avec la Russie. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ce qui se passe. Et ce n'est pas si différent de ce que Macron essayait de faire, si vous vous souvenez, il y a quelques mois. Juste après la chute d'Avdiivka, nous avons eu la précédente grande panique. L'Ukraine semblait sur le point de perdre. Macron sort et parle d'envoyer des troupes françaises en Ukraine pour tenir la ligne là-bas. Nous avons dit à l'époque, et d'autres ont commencé à le dire aussi, ESAP, que ce que Macron faisait vraiment, c'était essayer de créer une situation où les Français se heurteraient aux Russes et les Français demanderaient alors aux Américains de venir les sauver. C'était essentiellement de cela qu'il s'agissait. La société française était profondément hostile à tout ce plan. Et comme nous le savons, les élections législatives ont suivi. D'abord, il y a eu les élections européennes, puis les élections législatives. Il est devenu clair que la société française était totalement opposée à cette idée. Alors maintenant, les Britanniques essayent de faire la même chose. Encore une fois, ils comprennent que la société britannique n'accepterait jamais que des troupes britanniques soient envoyées pour combattre en Ukraine, combattant ouvertement en Ukraine.
De manière clandestine, elles y sont bien sûr, et elles y ont toujours été. Vous vous souvenez que nous avons fait un direct avec Jim Webb, dans lequel il a parlé de la façon dont le SAS combattait les Russes à l'aéroport de Gostomel en février et mars 2022. Je dis juste ça. Mais les Britanniques, peut-être qu'ils sont impliqués secrètement. Le peuple britannique acceptera cela, mais il n'acceptera jamais une situation où l'armée britannique, telle qu'elle est, pas en très bonne forme, va combattre les Russes. Le ministre chinois des Affaires étrangères a eu un vendredi chargé. Il a rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, interagit avec le ministre brésilien des Affaires étrangères et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Wang Yi et les ministres des Affaires étrangères des pays du Sud global se sont rencontrés en marge du débat général tôt dans la journée de vendredi. Le Brésil et la Chine ont l'intention de faire avancer leurs propositions de médiation dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dans une déclaration commune, le groupe s'est dit profondément préoccupé par les hostilités en cours et les risques d'une nouvelle escalade. Nous nous sommes réunis en tant qu'amis de la paix, parce qu'un nombre croissant de nations reconnaissent que la crise ukrainienne ne doit pas échapper à tout contrôle et que la communauté internationale ne peut pas s'ancrer dans la division et la confrontation. Nous devons nous unir et collaborer à la recherche d'une solution pacifique. La réunion d'aujourd'hui aboutit à un large consensus et notre position est claire et sans équivoque. Le ministre chinois des Affaires étrangères a ensuite rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les deux puissances mondiales se sont opposées sur un large éventail de questions, notamment le conflit en Ukraine et la guerre à Gaza. S'exprimant lors d'une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur Gaza, Wang Yi a réitéré l'appel de la Chine en faveur de la fin des combats au Moyen-Orient. Selon lui, la guerre est un test de la conscience humaine, tandis que la paix requiert la sagesse et la détermination de tous les pays, en particulier ceux qui siègent au Conseil de sécurité. Un jour de guerre de plus signifie plus de victimes civiles et des familles brisées. Une région de plus où les conflits s'étendent signifie plus de débordements de crise et de haine. Nous devons agir de toute urgence pour promouvoir un cessez-le-feu durable et un retrait complet des troupes à Gaza. Les parties en conflit doivent appliquer pleinement les résolutions du Conseil de sécurité et prendre la décision d'un cessez-le-feu, et ne pas prendre de mesures aventureuses qui aggravent les tensions. Toutes les réunions bilatérales étant maintenant terminées, le ministre chinois des Affaires étrangères doit maintenant se préparer pour son discours très important à l'Assemblée générale samedi. Wang Yi, comme beaucoup d'autres qui sont montés à la tribune cette semaine, devrait aborder le conflit en cours au Moyen-Orient et défendre la position de la Chine, qui appelle à la diplomatie et à la mise en œuvre immédiate de la solution à deux États. Alors, bon, sur le plan de l'Ukraine, moi j'ai la conviction, contrairement à ce que certains nous racontent ou veulent nous faire croire, que la négociation ne se fera pas avec les Européens, elle se fera les Américains, ouais, Moscou, les Russes, les Chinois, qui s'en mêlent beaucoup actuellement. Je trouve qu'ils ont sorti un plan six points qui a été signé par un certain nombre de pays des BRICS, donc ce n'est pas négligeable. Hein. Le Brésil vient de signer la proposition en disant « ouais, c'est une bonne proposition ». Donc il y a les Chinois d'un côté et qui peuvent faire pression sur les Russes, puisque maintenant les Russes sont venus avec eux. On a les Américains, je crois que c'est comme ça que ça va se passer. Nous, on va compter les points et après, on comptera les ruines dans nos pays. On va surtout compter les ruines, c'est ça. Donc c'est... C'est ça. C'est... Et là, c'est... voilà. Donc, je ne crois pas que dans l'affaire ukrainienne, les Européens aient la moindre chance de pouvoir faire quoi que ce soit. Nous, en voulant imposer nos systèmes, la fameuse démocratie à l'occidentale, quand on a fait dans les pays francophones d'Afrique, bon, on a dit, voilà, il faut un système avec un président élu régulièrement et tout. Mais dans des pays où ce sont des clans, des ethnies, coutumier, des tribus, où les gens sont à vie le patron d'un clan ou autre, où dans le système de clan, le chef redistribue la manne à tous les gens de son clan. Eh oui. Donc, à partir de ce moment-là, le système démocratique ne marche pas. Non. Alors on a fermé les yeux quand c'était Houphouët de Boigny, quand c'était Saint-Gringoire et tous les autres, parce que c'était, il y avait le clan qui dominait, ils parlaient le français merveilleusement bien, ils étaient sympas et tout, alors on a fermé les yeux. Mais ça fonctionnait pas du tout en démocratie. Il y avait un parti qui contrôlait tout, le clan.
le clan, la tribu qui contrôlait tout. Alors bon, c'est les babilékés, les machins, bon, peu importe. Bon. Aujourd'hui, on leur dit c'est scandaleux, comment vous n'appliquez pas la démocratie ? Mais chez nous, c'est pas ça. Donc en définitive, ce qui se passe aujourd'hui, et même dans l'affaire des capitaines qui prennent le pouvoir un peu partout, le problème, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à imaginer une forme de démocratie à l'africaine. Et ça, il faut qu'ils l'imaginent, qu'ils la construisent et qu'ils la mettent en place. Ça ne se fera pas en un jour. Et nous, là-dedans, on est mal placés pour en parler parce que nous, on leur a justement, on a vicié leur approche en voulant imposer nos méthodes. La fin du dollar, enfin, le début de fin du dollar, ouais. Ça va prendre du temps. Mais le fait que ça y est, pour les énergies, on peut payer autrement qu'en dollars. Hein, le fait l'Arabie saoudite, en Arabie, les Émiratis, ouais. Les Russes, ça y est, c'est parti partout. Mmh. Bon, mais ouais. Les conséquences sont colossales. Mais pourquoi ça arrive ? C'est parce que le FMI a exagéré en imposant un système et en faisant varier les taux en fonction de la politique américaine. Oui, puis en plus, il y a tout le mouvement aussi d'extraterritorialité et de sanctions qui ont fait que le dollar est devenu un instrument de coercition moins en moins supportable. On avait les lois extraterritoriales, vous aviez quelque chose grâce au dollar, on vous assassine. Mmh. Vous aviez le fait de la Fed américaine qui fait monter ou descendre le cours du dollar pour favoriser l'économie américaine au détriment des autres, alors que c'est tout le monde entier qui paye, puisque le déficit américain est payé par le monde, puisque le dollar est la monnaie de référence mondiale. Vous avez vu peut-être, il y a eu cette session assez rocambolesque des Nations Unies, où toutes sortes de ministres et de chefs d'État sont allés livrer leur point de vue sur toutes sortes d'événements. D'ailleurs, justement, le président de la Serbie est allé, pour une fois, peut-être la première fois, déballer exactement ce qu'il pense et ce que l'immense majorité de ses compatriotes pensent sur le bombardement de la Serbie en 1999 et le détachement subséquent par la force de sa province sud, le Kosovo. Ceci en dépit du fait que la guerre de 1999 s'était soldée par un armistice le 12 juin, signé en Macédoine, et que la paix a été confirmée par une résolution, la résolution 1244 des Nations Unies, qui confirmait la souveraineté de la Serbie sur le Kosovo. En 2008, donc 9 ans plus tard, les États occidentaux, et parmi les premiers la Suisse, ont reconnu la sécession, donc le référendum d'indépendance du Kosovo, au mépris de la résolution des Nations Unies qui maintenait la souveraineté de la Serbie sur cette province. Et ensuite, ces mêmes pays, aujourd'hui, viennent, d'ailleurs, à la même session des Nations Unies, reprocher à la Russie de faire à l'Ukraine ce qu'eux ont fait à la Serbie 25 ans plus tôt. C'est ce que j'appelle l'exceptionnalisme occidental. Le président de la Commission nationale du développement et de la réforme de la Chine, Zheng Shanji, a déclaré que les liens entre Beijing et l'Australie se caractérisaient par des bénéfices mutuels et des résultats gagnants et que le développement des deux nations représentait une opportunité plutôt qu'un défi. Il a fait ses commentaires alors qu'il accueillait son homologue australien à Beijing pour un dialogue économique stratégique qui s'est tenu pour la dernière fois en 2017. Au cours des trois derniers dialogues économiques stratégiques, à savoir en 2014, 2015 et 2017, nous avons mené des échanges approfondis sur une série de sujets importants comme l'économie mondiale et les relations économiques bilatérales entre nos deux nations ou encore l'investissement et la coopération qui ont apporté un soutien solide à l'amélioration de notre niveau de coopération bilatérale. Cette année marque le 10e anniversaire de l'établissement des relations stratégiques entre la Chine et l'Australie. Zheng Shanji a déclaré que les relations bilatérales étaient entrées dans une nouvelle phase depuis novembre dernier. Selon le trésorier Chalmers, l'Australie est consciente qu'une grande partie des opportunités à saisir au cours de la prochaine décennie passe par la collaboration avec ses partenaires, dont la Chine. Nous sommes parvenus à la conclusion que l'Australie et la Chine ont des économies complémentaires. En tant que premier partenaire commercial, nous avons un profond intérêt à ce que la croissance économique de la Chine soit stable et continue, et un grand intérêt à trouver des moyens de continuer à coopérer où nous le pouvons. Ce dialogue est une occasion importante de le faire.
Le ministre Jim Chalmers devient le premier ministre du gouvernement australien à occuper ce rôle économique clé à se rendre en Chine depuis 7 ans, dernier signe en date que les relations bilatérales tendues sont en train de se rétablir. Cette visite, selon les experts, devrait également favoriser les opportunités de percer dans la coopération entre les deux nations dans de nouveaux domaines, en particulier dans la lutte contre le changement climatique et les initiatives en matière d'énergie propre. Неурегулированность палестино-израильского конфликта оказывает дестабилизирующее влияние, как я уже сказал, на весь регион. Беспрецедентный по своей ожесточенности и разрушительным последствиям кризис вокруг Газы стал катализатором резкого обострения Ливано-израильской конфронтации. А кадры с продолжающимися обстрелами вдоль голубой линии и вглубь территории Ливана и Израиля облетели уже весь мир. Ближний Восток вновь оказался на грани большой войны, которую, как представляется, кое-кто очень и очень хочет. Une scène qui restera dans les annales des Nations Unies le vendredi 27 septembre 2024, avant même d'entamer son discours, Benjamin Netanyahu voit l'Assemblée générale de l'ONU se vider, des diplomates de tous les continents boycottent sa prise de parole. Order, please. Le premier ministre de l'entité sioniste est accueilli par des sifflets, une séquence rarissime dans l'antre de la diplomatie internationale. Un accueil glacial pour celui qui refuse tout cessez-le-feu, malgré l'appel de ses alliés. Netanyahou dit prendre la parole à l'ONU pour contredire les mensonges et déclare « Israël veut la paix ». Pourtant, l'entité sioniste est en guerre sur 6 fronts différents. L'entité sioniste veut la paix. Pourtant, 700 Libanais ont perdu la vie depuis le début de l'agression, dont 90% de civils et 90 000 personnes sont sur les routes. L'entité sioniste veut la paix. Et pourtant, le bilan des morts à Gaza frôle les 42 000 personnes pour 96 000 blessés. L'entité sioniste veut la paix. Pourtant, les premiers responsables sionistes sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international requis par le procureur général de la Cour pénale internationale. L'entité sioniste veut la paix, pourtant elle se retrouve sur le banc des accusés à la Cour de justice internationale, accusée de génocide à Gaza par l'Afrique du Sud. Il déroule ensuite une série d'arguments face à une assemblée qui continue de se vider, citant même la Torah pour justifier les agissements sionistes, négligeant le droit international et ses règles. C'est en réponse à toutes ces incohérences que des diplomates des quatre coins du globe ont décidé de quitter la salle, préférant ignorer les accusations de Netanyahou. Par ce boycott, ils démontrent collectivement l'isolement de l'entité sioniste sur la scène internationale, un état voyou qui se voit justicier. Le gouvernement de Chypre se dit prêt à accueillir des citoyens libanais fuyant le conflit entre Israël et le Hezbollah, qui a fait plus de 600 morts ces derniers jours. La question a été abordée lors d'une réunion entre le président chypriote et le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Le premier ministre grec s'est par ailleurs entretenu avec son homologue libanais et a exprimé son soutien à un cessez-le-feu de 21 jours entre Israël et le Hezbollah proposé par la France et les États-Unis. Israël a depuis rejeté cette proposition, affirmant vouloir poursuivre ses attaques contre le Hezbollah. Plus de 90 000 civils ont fui le sud du Liban ces derniers jours. Des citoyens libanais arrivés à Athènes par un vol en provenance de Beyrouth décrivent le chaos qui règne actuellement dans le pays. La situation, comme vous le savez, n'est pas très bonne. Israël est toujours attaqué. And nobody is supporting us. Especially from South Lebanon, they are leaving their home. There are a lot of killed there. I was so scared to drive to the airport because it's within South Lebanon that they are bombing over there. So, I mean, thank God no problems on the way. And thank God they didn't strike the airport. I'm happy. Plusieurs pays européens exhortent leurs ressortissants au Liban à quitter immédiatement le pays en raison de l'escalade des hostilités, alors que l'état-major israélien envisage de lancer une opération terrestre dans le pays.
L'armée israélienne a déclaré ce samedi avoir tué Hassan Nasrallah, le chef du groupe militant Hezbollah, lors d'une puissante frappe sur Beyrouth. Le raid israélien a détruit des dizaines d'immeubles, poussé à la fuite des centaines de personnes et fait au moins 6 morts et 91 blessés. Un porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, a publié « Hassan Nasrallah est mort » sur le réseau social X. Tsahal a déclaré avoir effectué une frappe aérienne précise alors que les dirigeants du Hezbollah se réunissaient dans leur quartier général à Dahiyeh au sud du Beyrouth. L'armée israélienne a également affirmé qu'Ali Karki, le commandant du front sud du Hezbollah, et d'autres responsables militaires du groupe islamiste auraient également été tués dans l'attaque. Hassan Nasrallah, qui dirige le Hezbollah depuis plus de 30 ans, se cache depuis des années et n'apparaît que très rarement en public. Ses discours sont généralement diffusés en vidéoconférence depuis des lieux inconnus. Le Hezbollah n'a pas commenté les déclarations israéliennes dans l'immédiat. Dominique de Villepin, si la mort d'Hassan Nasrallah est confirmée par le Hezbollah, c'est quoi l'étape d'après? Une confrontation directe avec l'Iran? Une réaction directe de l'Iran? C'est le risque de l'engrenage, de l'escalade, de la fuite en avant. Mais c'est d'ores et déjà une étape très importante dans la guerre qui se déroule. La guerre du Liban qui fait suite à la guerre de Gaza qui n'est pas terminée, qui n'est pas close. Et c'est une figure très emblématique de la politique du Moyen-Orient, du monde arabo-musulman depuis une trentaine d'années. Nasrallah, c'est quelqu'un qui est rentré au mouvement Amal chiite en 1982, qui a pris la tête du Hezbollah en 1992, donc 10 ans plus tard, à la suite de l'assassinat de Moussaoui, justement à cette date, en 92, et c'est quelqu'un qui a marqué toute cette période, et en particulier qui a marqué et qui est considéré comme un héros par beaucoup de membres du mouvement à cause de 2006, où il a défait, entre guillemets, l'armée israélienne et conduit au départ de cette armée. Mais c'est aussi une figure très contestée, puisque ce Hezbollah, c'est un mouvement qui a une face noire. Il ne faut jamais oublier que c'est un mouvement composite. C'est à la fois un mouvement politique enraciné dans la vie libanaise. Il y a des députés, il y a des ministres du Hezbollah. Et c'est aussi une milice terroriste qui est responsable en particulier des attentats de 83 dont la France a été victime, ainsi que les Américains, qui est très active dans le trafic de drogue et qui joue donc un rôle essentiel. Donc un double ancrage, un ancrage au Liban, très fort, et en même temps, c'est l'instrument de l'Iran. C'est un instrument très efficace pour l'Iran puisqu'il assure la protection de l'Iran dans la proximité vis-à-vis d'Israël. Il est donc la partie la plus avancée, la pointe la plus avancée des intérêts iraniens à proximité d'Israël. Il n'y aura donc pas de cessez-le-feu au Liban. Netanyahou n'en veut pas. Emmanuel Macron a dénoncé cette nuit une faute. Georges, pourquoi le premier ministre israélien a-t-il tout de suite fermé la porte à cette trêve qui, on le rappelle, avait été proposée à la fois par la France et par les États-Unis? Alors, il y a plusieurs raisons, Amandine. La première, c'est qu'il veut profiter des récents succès de son armée et de ses services de renseignement pour porter un coup fatal au Hezbollah. Sans s'être effondré, la milice pro-iranienne a été fortement déstabilisée la semaine dernière par les explosions de ses beepers et la décapitation de son unité d'élite. Soutenue par de nombreux Israéliens, Netanyahou veut pousser plus loin son avantage. Hier encore, son armée a liquidé dans une opération ciblée le responsable de l'unité aérienne du Hezbollah. Cela fait presque 20 ans que l'État hébreu rêvait de casser l'infrastructure militaire de son ennemi, une infrastructure qui n'a fait que se renforcer depuis la dernière guerre de 2006. Netanyahou ne veut lui laisser aucun répit, même de 21 jours comme Joe Biden et Emmanuel Macron le proposent. Ils redoutent que le Hezbollah se ressaisisse. Mais néanmoins, les États-Unis doivent se sentir un peu humiliés là avec ce que leur dit Netanyahou. Ben effectivement, Thomas, Joe Biden est humilié. Et pour la deuxième fois en quelques mois, puisque Netanyahou lui avait déjà fait le coup sur un projet de cessez-le-feu avec le Hamas à Gaza. L'entourage du président américain commence d'ailleurs à parler. En fait, Netanyahou aurait trahi sa parole, puisque cet appel au cessez-le-feu au Liban franco-américain a été lancé en coordination et avec la bénédiction d'Israël, a affirmé hier soir la Maison-Blanche. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron lui a parlé de fautes commises par Benjamin Netanyahou. Mais entre-temps, le leader israélien a cédé à la colère de certains de ses ministres extrémistes et il a fait machine arrière. Et est-ce qu'à force de tirer comme ça sur la corde, le Premier ministre israélien ne risque pas gros ?
Eh bien non, il joue sur le calendrier électoral américain, on est à 40 jours de la présidentielle. S'opposer fortement au Premier ministre de l'allié israélien serait risqué politiquement pour le camp démocrate, d'autant que certains dans l'administration américaine ne sont pas loin de penser comme Netanyahou, même si le crédit international des États-Unis doit en pâtir. Un détail enfin, mais il illustre bien l'hypocrisie américaine, le ministère de la Défense israélien a annoncé hier soir avoir obtenu de Washington 8,7 milliards de dollars d'aide militaire. Benjamin Netanyahou et les ultras de son gouvernement peuvent donc dire au Hezbollah « c'est la reddition ou la guerre ». Pas sûr toutefois qu'une prolongation d'un conflit meurtrier permette aux habitants du nord d'Israël de rentrer chez eux. C'est pourtant le but de guerre de M. Netanyahou. On voit bien d'ailleurs que Joe Biden lui-même, lors de la visite de Benjamin Netanyahou, a annoncé une aide supplémentaire à Israël, alors que nous sommes au cœur de la crise. 8,7 milliards. Presque 9 milliards de dollars. Donc on voit bien que le moment n'est pas encore venu où l'Amérique se servira des deux outils majeurs, parce que c'est eux qui ont les deux grands verrous. C'est évidemment... et l'argent, et les armes. Ce que je crois, l'embrasement régional, pas vraiment. Je pense que Netanyahou, c'est sa politique. Il veut que la guerre continue, il ne veut pas de solution, il ne veut pas d'État palestinien, par ailleurs. Il veut un peu d'escalade. Il espère, il rêve d'entraîner les Américains un jour dans une guerre au plus haut niveau et clairement, mais il n'y arrivera jamais. Même pas réussi avec George W. Bush. Donc je ne crois pas qu'il puisse y arriver, même avec Trump, si c'était Trump. Mais... il a quand même intérêt à un certain degré d'escalade. Quant aux Iraniens, le régime iranien, il ne faut pas dire l'Iran ni les Iraniens, le régime, très particulier, hein, ils ont intérêt, ils ne peuvent pas ne rien faire. Donc ils sont obligés de répliquer en montrant qu'ils sont quand même très engagés, très combatifs, sans se mettre en danger. Donc je pense qu'il y a des bornes à l'intensification régionale. Mais ça peut se régionaliser un peu, là. Je ne crois pas une guerre... tout à fait général. Vous ne pensez pas qu'il y a un risque d'embrasement ? Non, il y a un risque. Non, on est en plein risque, là, déjà, mais limité. Donc, un peu plus. Mais les frappes sur les Hezbollah, comme le rappelait un de vos experts tout à l'heure, il y a quand même une... d'ailleurs, y compris le porte-parole de l'armée israélienne, il y a une concentration d'armes phénoménale du côté Hezbollah, avec beaucoup de missiles capables de frapper Israël. Bon, tant que c'est des actions là-dessus, ils ont le monde, même le monde le plus critique envers Netanyahou, va le tolérer, ça. Mais si vous posez la question de la guerre générale avec tous les pays du Moyen-Orient, y compris l'Iran et les États-Unis engagés malgré eux, je ne crois pas que ça ira jusque-là. C'est surtout le très très grand aveuglement qui existe aujourd'hui chez tous les leaders, à la fois européens et américains. Ils n'ont pas de vision du monde, là où il faut reconnaître à Benjamin Netanyahou d'avoir au moins une vision militaire, puisque l'opération qu'il a lancée contre... Nasrallah s'appelle Nouvel Ordre. Et on voit bien derrière qu'il y a l'idée d'un nouvel ordre régional débarrassé de ces milices chiites. C'est pas le cas pour les leaders américains et européens. Ils n'ont pas de vision stratégique. Et en particulier, ils n'ont toujours pas compris que le nouvel ordre mondial serait fondé sur des principes. Et le premier de ces principes, ça doit être la justice internationale. Qui impliquerait de la part justice, d'Israël... Peut-être même aussi le respect du droit international, tout alors simplement. Alors ça, c'est la deuxième composante, c'est le droit. Donc la justice et le droit international, le droit humanitaire, toutes choses qu'on ne rappelle pas aux Israéliens, qu'on ne rappelle pas actuellement à Benjamin Netanyahou. Et s'ils ne le font pas, c'est tout simplement parce qu'ils sont incapables de s'extraire de leur situation géopolitique d'occidentaux pour faire un chemin... vers le reste du monde, et notamment vers le sud global, vers les grandes puissances aujourd'hui qui montent, celles des BRICS et autres. Et je pense que ce qui se joue aujourd'hui dans la création d'un nouvel ordre mondial, et ce qui se joue aux Nations Unies, c'est ce renversement, ce basculement du monde vers ces nouvelles puissances qui impliquera de la part d'Israël et de la part des Européens et des Américains la prise en compte de ces objectifs qui s'imposent à tous, à la fois le respect d'un principe de justice et d'égalité, et à la fois les règles de droit, du droit international et du droit humanitaire. Pendant combien de temps Israël pourra s'exempter de l'application de ces règles ? On voit bien qu'Israël poursuit sa logique militaire, mais cette logique militaire, est-ce qu'elle va, et ça c'est la deuxième question qu'il faut se poser, est-ce qu'elle va assurer la sécurité d'Israël davantage ? Aujourd'hui, je crains qu'Israël ne soit condamné à mener guerre après guerre, à chaque fois plus d'usage de la force. La seule façon d'en sortir, ce serait
la création d'un État palestinien, plus de justice et un nouvel ordre régional qui ne peut pas simplement être un nouvel ordre technologique, économique et financier comme il était fixé par les accords d'Abraham. Les élections législatives de dimanche s'annoncent serrées en Autriche. Les conservateurs et les populistes d'extrême droite sont tous deux crédités d'environ 27% des intentions de vote par les derniers sondages. Les bons résultats de l'extrême droite aux élections européennes du mois de juin se sont depuis confirmés dans plusieurs pays du continent, notamment en Allemagne lors des récentes élections régionales. L'Autriche, pays traditionnellement libéral, pourrait bien suivre la même tendance. Le Parti de la Liberté d'extrême droite, connu sous l'acronyme FPO, a gagné beaucoup de terrain sur la scène politique autrichienne depuis le début de l'année. Le programme du parti est ouvertement eurosceptique et propose d'interdire ce qu'il qualifie d'islam politique. Son dirigeant, Herbert Kickl, a vanté son engagement en faveur de la remigration, une stratégie consistant à renvoyer les immigrés dans leur pays d'origine. Il s'est également déclaré opposé aux sanctions de l'UE contre la Russie et à l'octroi d'une aide supplémentaire à l'Ukraine. L'extrême droite autrichienne accuse l'immigration et la guerre en Ukraine d'être à l'origine du taux d'inflation élevé du pays, qui reste supérieur à la moyenne de l'UE depuis près de 2 ans en raison d'une croissance faible. Si le FPO remporte les élections de dimanche, il s'agira de la première victoire de l'extrême droite dans l'histoire de l'Autriche. Les dirigeants du parti conservateur OVP ont déclaré qu'ils refuseraient de s'associer à un parti d'extrême droite au sein d'une coalition. The outcomes for Austria will be seen in the next days, as the country demands for change. If it will be answered, remains to be seen. For Euronews, from Vienna, Austria, correspondent Jan Husar. Le ministre danois de la Justice en visite au Kosovo et plus précisément dans une prison vouée à accueillir près de 300 détenus danois. Objectif du partenariat, désengorger le système pénitentiaire du Danemark. Aux côtés de son homologue kosovar, Peter Hummelgaard s'est réjoui de cette coopération. Now we have come to Kosovo in a need of help, in a use of excess capacity in the Kosovarian prison and detention facilities, and that is a very big help for Denmark in a time where we have a very, very pressured prison and probation services in Denmark. This visit here marks the practical implementation of the project, and there's no doubt that we would have liked to seen that started earlier, but nevertheless, we are happy that we are at this phase now. L'accord avait été signé en 2021, mais n'a été approuvé qu'en début d'année par le Parlement kosovar. Pristina louera bientôt 300 cellules de la prison de Gillian à Copenhague, qui sera responsable des travaux de modernisation visant à mettre l'établissement en conformité avec les normes danoises. Le Kosovo empochera grâce à ce partenariat 15 millions d'euros par an. La situation budgétaire de la France est très grave. Tels sont les mots du nouveau Premier ministre Michel Barnier. Alors que son gouvernement se donne 2 semaines pour boucler le budget 2025, les Français s'attendent à des solutions douloureuses, hausse d'impôts et baisse des dépenses. Ce qu'on comprend, c'est qu'on a un pays dans un état avec un budget compliqué. Dans un état protecteur comme le nôtre, il faut bien trouver de l'argent quelque part. Moi, je suis pas contre le fait de payer des impôts en soi, si c'est vraiment bien utilisé. Si c'est de l'argent bien utilisé, pourquoi pas ? Non, pas plus d'impôts. Je pense qu'il y a des économies autres à faire. Une autre forme d'hausse d'impôts, ça serait la lutte contre l'évasion fiscale. Ça reviendra au même, en fait. S'il y a urgence, c'est que le déficit de la France n'a cessé de se creuser. Il risque de dépasser les 6% du PIB, rappelle l'économiste Yann Echinard. Un déficit en période de paix de 6% est vraiment élevé. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que sur les marchés de négociation de la dette publique, on a des différentiels de taux avec le Bund allemand qui ne cesse d'augmenter. Donc on est aujourd'hui à 80 points de base. Ensuite, il faut décrypter le message politique de Michel Barnier. Il nous alerte sur la difficulté pour prendre des décisions qui seront douloureuses. Donc il dramatise volontairement.
Certes, la situation n'est pas simple, mais les marchés ne produisent pas d'opposition à l'achat de la dette française. Les adjudications faites par le Trésor français ne rencontrent aucune difficulté. Et la part des investisseurs étrangers n'a absolument pas chuté. Au contraire, même, elle augmente. Donc, on peut en déduire que la qualité de la signature de la dette française n'est pas si mauvaise que ça. D'après le gouvernement, la réduction du déficit devrait se faire prioritairement par des économies budgétaires, mais il n'exclut pas certaines hausses d'impôts ciblées. On n'en évacue pas l'idée d'augmenter une certaine partie, la fiscalité très ciblée. Donc, bien les revenus pourraient participer à cet effort national. Les ultra-riches, les entreprises qui réalisent des super profits, on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois et dernières années. Ça pourrait être assez malin de la part de Michel Barnier qui s'érige en de droite sociale, de dire à la population, aux classes moyennes, il n'y a pas que les classes moyennes qui doivent payer les frais de ce dérapage, parce que lorsqu'on va réduire les dépenses publiques, eh bien là, sans doute, la population française en sera affectée. Les Français en sauront plus ce mardi. Le Premier ministre fera sa très attendue déclaration de politique générale devant une Assemblée nationale fragmentée. La présentation du budget 2025, prévue, elle, autour du 9 octobre, s'annonce complexe. Je suis d'accord avec vous sur le fait que je pense que d'abord pour les pays étrangers, c'est extrêmement difficile de comprendre quelle est la stratégie française. Et pour une raison très simple, c'est qu'il n'y en a pas. Je suis frappé par les changements de pied dans tous les sens. Encore récemment, notre président qui dit d'un côté il faut être contre la Russie, je vais envoyer des troupes en Ukraine et vous allez voir ce que vous allez voir, on va écraser la Russie. Bon, et qui ensuite, il y a quelques jours, donc, dit attention, la paix approche. Alors, moi, j'étais content d'entendre ça, parce que depuis le temps que je le dis et que je me fais traiter d'affreux, la paix approche, et il va falloir qu'on redéfinisse nos positions en Europe, et en particulier nos relations avec la Russie. Alors là, les bras m'en tombent. On a été le plus agressif, après avoir loupé un rendez-vous à Moscou, ouais. On a essayé d'être les plus anti-russes qu'on pouvait être en Europe, hein, pour aller dans le sens de l'histoire, comme on dit. Et maintenant, on commence à dire, ah oui, mais comme évidemment la paix est en train de devenir une évidence pour tout le monde, une nécessité pour tout le monde, alors on dit, ah ben non, mais maintenant on va changer de politique. Mais non, c'est pas comme ça la politique. La première solution pour être une armée européenne, il fallait que la France soit indépendante sur le plan militaire, donc être comme on était après De Gaulle, c'est-à-dire on était alliés proches de l'OTAN, on faisait des manœuvres avec l'OTAN pour être capable de travailler ensemble, mais on n'était pas OTAN. Et voyez, je pense que depuis cette époque-là, quand vous regardez les présidents successifs que nous avons eus, donc le président Sarkozy, le président Hollande et le président Macron, on voit qu'ils se sont fait prendre dans un ensemble. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Syrie, si on oublie qu'on était effectivement avec les Américains qui nous ont dit qu'il faut y aller, après ils nous ont laissé tomber, bon ça c'est autre chose. On peut pas, dans tous les coins, si vous voulez, du monde, on voit que chaque fois, on est dans une mauvaise position. Alors, dans j'allais vous dire que, alors, en plus, nous, au moment où on détruit, on a fait partir nos diplomates, on les remplace par un peu tout le monde, eh bien, dans le même temps, on s'aperçoit que les autres, et ça me frappe, et on pourra en reparler peut-être sur l'Europe, c'est très frappant, c'est qu'on a en face de nous des diplomates, sont des diplomates confirmés. Ouais. Blinken, l'Américain, il est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, donc secrétaire d'État aux États-Unis, mais il a derrière lui une longue carrière dans la diplomatie. Le russe Lavrov, il est dans la diplomatie depuis toujours. Donc il connaît tout, il a tout vu, il a vécu toutes les crises depuis 20 ans. Et il est ministre depuis 15 ans. Mais exactement, c'est ça. C'est donc si vous voulez, ce sont des gens qui ont une expérience et qui savent, dès qu'il y a le moindre problème, ils savent le mettre en relation avec d'autres problèmes et comprendre. Alors que nous, les nôtres, quelle que soit leur intelligence, ils sont incapables de mettre tout d'un parce qu'ils ne savent pas. Si vous voulez, ce que je disais, l'intuition ne remplace pas l'expertise et la connaissance. Or là, il faut bien reconnaître que nous n'existons plus. Mais moi, je suis très frappé de voir comment il y a eu des erreurs de choix au niveau de la politique française qui ne peuvent s'expliquer, au niveau de la politique internationale française, qui ne peuvent s'expliquer que parce que
le président, parce qu'il est un homme intelligent, a eu de mauvaises informations. Alors, du côté des diplomates, ça ne m'étonne pas, on a remplacé les diplomates par des gens qui ne connaissaient pas. Mais il restait les services, et je me pose des questions un certain nombre de fois, en me disant, mais est-ce que les services, véritablement, fonctionnent comme ils devraient pour fournir les bonnes informations? Vous voyez donc, et je n'ai pas la réponse, hein, parce que je ne suis pas à côté, mais indiscutablement, on est trop souvent à côté de la plaque pour que ce soit la malchance. Un bon service de renseignement, et il y a eu plein de loupés ces dernières années chez les uns ou chez les autres, un bon service de renseignement, c'est un service de renseignement qui est neutre. C'est-à-dire qu'il prend les événements tels qu'ils sont, factuels, et il n'introduit pas dans l'analyse des événements de l'idéologie. Il n'introduit pas du parti pris. Il doit rester neutre pour que l'analyse soit neutre. C'est au patron, qui lui connaît les autres éléments, de faire un choix en disant, bon ben, je sais ce que j'ai, je sais ce qu'ils font, voilà la stratégie que je vais appliquer. Tout à fait. Hein? Mais si on vous donne des éléments qui sont biaisés, parce que stratégiquement parlant, ils sont biaisés par une idéologie, par des a priori, ben évidemment, vous ne pouvez pas comprendre. Ou par le refus de s'intéresser à certains acteurs. Oui, exactement. À nos alliés. La négation de certaines choses, on ne veut pas regarder. Hein? Moi je vois cette affaire, regardez l'affaire de l'Azerbaïdjan où on a découvert que ils ont financé, je dirais, des associations pour mettre la pagaille, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que c'est la guerre, ils ont fait la guerre, des actes de guerre en Nouvelle-Calédonie. Bon, alors on dit les affreux Azerbaïdjanais. Alors pourquoi ils ont fait ça? Alors, est-ce que c'est parce que brutalement les Azerbaïdjanais s'intéressent au tiers-monde? Bien sûr que non. Ils s'y sont jamais intéressés, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'y intéresser. La réalité est très simple. C'est que le président de l'Azerbaïdjan, qui n'est pas un tendre, hein, c'est moins qu'on puisse dire, a été ulcéré que le président français et son équipe interviennent et fassent des commentaires dans l'affaire de l'Arménie et présentent en France l'affaire de l'Arménie. Or, l'affaire de l'Arménie, quand on regarde l'histoire, et je ne vais pas défendre ni les uns ni les autres, hein, mais quand on voit l'histoire, une fois de plus, méconnaissance de l'histoire, vous allez voir, l'affaire de l'Arménie, les Arméniens étaient proches des Russes, étaient dans l'orbite russe. Bon. Les Américains, dans le cadre de la déstabilisation des pays d'Europe du Nord, hein, et de l'Asie centrale, pour déstabiliser la Russie, bien sûr, par contre-coup, hein, essaie de récupérer, c'est le moins qu'on puisse dire, font des manœuvres militaires avec les Arméniens. Évidemment, furie des Russes, qui disent, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Oui, si vous êtes avec nous, on vous aide, et voilà que vous allez avec les Occidentaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Russes disent aux Arméniens, eh bien, attendez, on vous a toujours protégés, y compris dans le Haut-Karabakh, car c'était l'armée russe, hein, qui contrôlait toutes les routes et tout dans le Haut-Karabakh. On vous a toujours protégé de vos voisins turcs et azerbaïdjanais. Maintenant, puisque vous êtes avec les Américains, demandez aux Américains de le faire. C'est-à-dire qu'eux, ils s'en lavent les mains. Et qu'est-ce que fait l'azerbaïdjanais? Il va se précipiter. Pourquoi? Alors on dit c'est un scandale, il a envahi le Haut-Karabakh. Et c'est vrai que du point de vue arménien, c'est horrible. Mais il ne faut pas oublier qu'au moment de la chute du mur de Berlin, hein, il ne faut pas oublier que l'Arménie a envahi le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan en profitant de la chute du mur de Berlin, a envahi cette partie-là en disant « elle est à nous ». Donc si vous voulez… Et elle ne l'est pas. Mais elle ne l'est pas vraiment. Non, elle n'est pas plus d'un côté de l'autre, d'ailleurs. Elle n'est pas légalement. Quand on parle aujourd'hui de frontières, qu'il faut respecter les frontières, hein, puisque c'est un peu un dogme discutable parce qu'on ne le respecte pas, enfin, dans le dogme de respecter les frontières… Eh ben, l'Azerbaïdjan avait bel et bien la frontière qui incluait le Haut-Karabakh. Et ce sont les Arméniens, en disant historiquement, il y a des siècles et des siècles, on était là, ils ont envahi. Donc les autres, ben, quand ils ont eu la possibilité de contrer ça, puisque les Russes ne les protégeaient plus et que les Américains ont laissé faire, ben, ils ont reconquis le Haut-Karabakh. Alors, et nous? Ah ben nous, on est... nous, parce qu'on a des Arméniens en France, on a dit, ah ben on va montrer qu'on est avec le peuple arménien, donc on va défendre l'Arménie. Mais si vous remarquez, on a été les seuls à faire ce genre de déclaration. Parce que tous les diplomates savaient l'histoire qu'on vient de raconter.
Mais regardez l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, avec l'initiative des trois mers, ils sont en train, avec un objectif, c'est nous ne voulons absolument nous défendre contre la Russie, parce qu'on a été, vassal et écrasé pendant 40 ans, on n'a pas envie que ça recommence, et comme on n'a pas confiance en les Européens, on travaille avec les Américains. Bon, drôle de concept de l'Europe. Mais pourtant, c'est vrai. Et ils représentent 14 pays sur 28, hein, l'initiative. La moitié de l'Europe est dans l'initiative du Nord, qui a une vision du monde, de l'Europe totalement différente des autres, dans lequel l'OTAN est prioritaire, bien sûr. Et pour cause. Mais l'OTAN américain. Il y a ces blocs en Europe, le bloc du Nord, bloc central en perdition avec l'Allemagne depuis que tout a explosé, la production avec les Chinois, la défense, ils prennent des coups, et puis l'énergie, parce que les Russes ne leur en fournissent plus. L'Allemagne est en crise. Et nous, en définitive, avec une Allemagne en crise, on aurait pu prendre le leadership de l'Europe, puisqu'on était l'autre partie du couple majeur. Quand vous regardez à Bruxelles, parmi les trois vice-présidents de Mme von der Leyen, il y avait Thierry Breton qui dirigeait trois directions importantes. Trois. Il est remplacé, un tour de passe-passe entre von der Leyen et le président Macron, il est remplacé par M. Séjourné, qui a certes été le chef du parti Renew, donc du parti un peu avec les Macroniens et les gens comme eux, à Bruxelles, mais qui est connu là-bas pour ne pas parler anglais, comme un peu gênant quand vous êtes à l'international, et qui n'a pas brillé particulièrement comme ministre des Affaires étrangères. Bon, donc on voit bien que on a remplacé quelqu'un avec ses défauts et ses qualités. Thierry Breton, c'est pas non plus un ange, mais qui avait une puissance très importante, tellement fort qu'il était un contre-pouvoir à von der Leyen. C'est pour ça qu'elle souhaitait s'en séparer, bien entendu. Mais on se retrouve après, on passe de trois directions. Ces journées ne contrôlent qu'une seule direction. Donc on a affaibli déjà notre poste trois fois, un tiers de ce qu'on avait avant. Et pire encore, on nous confie les droits de l'homme. Okay. Ah, ça c'est important, et je suis d'accord. C'est fondamental. Oui. Mais dans le même temps, à qui on donne le nucléaire, alors qu'on vient de se battre depuis 4 ans, contre les Allemands qui étaient acharné contre le nucléaire français pour nous imposer le gaz. Enfin, on le sait, maintenant, tout le monde le sait, il y a eu des études là-dessus, démontrées et tout. Eh bien, là, qui a été nommé comme patron pour contrôler le nucléaire en Europe ? Un Allemand qui est anti-nucléaire, anti-français. En réalité, c'est triste à dire, parce que ça fait mal au cœur, mais on est devenu une puissance moyenne. Alors, il n'y a pas que nous, parce que de toute manière, même les États-Unis, leur leadership est maintenant carrément contesté par la Chine, et bientôt par l'Inde. Le processus de changement est en marche, mais seulement il y a deux choses. Soit on est capable de réfléchir, de se refaire une stratégie, on revient à la stratégie, on est capable de reconstruire une stratégie avec ces nouveaux paramètres et dire, là-dedans, on va exploiter les possibilités, ou alors on continue, comme aujourd'hui, à agiter les bras, mais n'agiter les bras n'a jamais fait une politique. Il faut qu'on bâtisse une vision stratégique européenne, réaliste. Européenne. Attendez, j'ai dit bien européenne, réaliste. Moi, je dis européenne parce qu'on a, avec Michel Barnier, on a quelqu'un qui connaît bien l'Europe. Et, et donc, je pense que lui est parfaitement capable, il a été aux affaires étrangères, il a été partout, il est parfaitement capable d'imaginer, de manière assez objective, quelque chose en Europe. Mais, tout de suite, je vais mettre un mais, c'est pas lui le chef politique étrangère, le chef, c'est le président de la République. Et le président de la République, jusqu'à maintenant, a toujours pris des positions différentes de celles du Quai d'Orsay et son Premier ministre. Donc, je suis quand même légitimement inquiet sur la capacité du Premier ministre de pouvoir le faire. Et pourtant, je pense que si déjà on faisait ça, et qu'on affirmait une politique européenne claire, on redonnerait à nos alliés autour en Europe l'impression qu'on est redevenu sérieux. Et quels pourraient être nos alliés dans ce... Je pense qu'il y a pas mal de pays en Europe. Alors, c'est vrai qu'on s'est mis à dos tout le monde. On s'est mis à dos Mélanie en la traitant de rigolote. Les Allemands, on ne peut pas dire que le couple franco-allemand, ça fonctionne. L'Espagne, nos relations ne sont pas bonnes. Enfin bon, je cherche. Mais je crois quand même que l'intérêt des pays aussi fait qu'un certain nombre de pays ne seraient pas mécontents de nous voir
reprendre un peu de poids, si ne serait-ce que pour un peu rééquilibrer cette Europe qui est aujourd'hui explosée. Sans pour autant nous laisser prendre le pouvoir. Hein. Ça, c'est fini, ça. On est bien d'accord. Ça, je pense que c'est mais fini. Mais je pense que, parce que les gens se cherchent. En Europe, moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent. Bon, quand je vois Orban, les déclarations d'Orban, ou les déclarations d'autres, d'ailleurs, pas que lui, hein, dans les pays du nord de l'Europe, et qui disent il faut qu'on construise une politique européenne ouverte vers les pays du tiers-monde, qu'on arrête de s'obstiner à regarder que les États-Unis et la Chine. C'est une folie. Hein, et ils ont raison. Bien sûr. Au mois d'octobre, là, on a la réunion des BRICS. Hein, à Kazan. BRICS Plus. Ça va être terrible. On va les gens qui sont... Ah ben là, on va prendre une leçon de réalité. On va prendre une leçon de réalité. Et avec des gens qui vont nous faire le nombre. Ouais. Alors, les PIB, le nombre, la population, les énergies et tout. Et on va s'apercevoir qu'ils sont majoritaires dans toutes les facettes. Le G7 n'existe plus comme puissance. On ne peut plus imposer aux autres quoi que ce soit. Ils sont plus forts que nous. Tour en France, justement, où le gouvernement Barnier s'est réuni hier à Matignon. Réuni au grand complet hier pour un séminaire de travail. Objectif, définir les principaux axes de la déclaration de politique générale que le Premier ministre prononcera mardi à l'Assemblée nationale. L'occasion aussi de donner l'image d'un gouvernement rassemblé autour de la même ligne politique, Arthur Delaborde. Après les fausses notes et les recadrages de ministres, ce séminaire visait à afficher la cohésion du gouvernement et à diffuser l'idée d'une méthode Barnier, écoute, échange, travail collectif. Le Premier ministre ne veut plus entendre parler de couac. Sur la photo de famille officielle prise hier après-midi dans les jardins de Matignon, Michel Barnier est d'ailleurs placé entre Bruno Retailleau et Didier Migaud. Le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux qui ont affiché leur divergence de vue cette semaine sur les questions de sécurité et d'autorité. Sur le fond, il s'agissait surtout de préparer l'échéance importante de la déclaration de politique générale. 5 thèmes ont été abordés. Pouvoir d'achat, territoire et services publics, économie, intégration, immigration et transition écologique. Pour travailler, les ministres ont été répartis au sein de groupes pour se mélanger, insiste Matignon, en mettant côte à côte des profils venus d'horizons divers et de sensibilités différentes. Arthur Delaborde. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.